Et bonjour à tous et à toutes, c'est Chou, bienvenue pour un nouvel épisode sur American Truck Simulator. Aujourd'hui, on va encore livrer des légumes comme la semaine dernière, sauf que la semaine dernière, c'était des légumes surgelés. Et on va à Sierra Vista, une ville qu'on n'a pas encore découverte de l'Arizona. On va continuer notre road trip vers l'Arizona aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que j'ai 400 km à faire, 411 km les amis. Donc du coup, let's go, c'est parti. Hop, il pleut, c'est 19h, on va mettre les phares. Comment je mets les phares déjà? Voilà, c'est parti. En tout cas, j'espère que ça vous a plu la semaine dernière. Apparemment, les premiers tours ont été très très bons. Vous avez bien aimé mon nouveau volant. Et ça, ça fait plaisir. Le GV9, c'est de la bombe. Allez, on continue. Alors, ne vous inquiétez pas si vous entendez en fond mon PC. Ouais, là, il tourne à fond. J'ai remis le jeu à échelle 400%. La semaine dernière, je m'étais rendu compte qu'il était qu'à 150%. Certes, ça faisait, il était beau quand même le jeu, mais là on a retrouvé les détails de l'échelle 400% et ça rend vraiment très très bien. Mon PC avec la chaleur qui fait tourne à fond, donc du coup c'est pas très très grave, mais on va se faire plaisir. Bon, en tout cas aujourd'hui c'est vraiment un ouragan, pas possible, regardez comme il pleut, c'est un truc de ouf. Alors, oh, il y a même les éclairs, tout, ça envoie du lourd. Allez, on y va, sacré périple aujourd'hui. Ouf, j'ai failli me prendre la voiture, pourtant je l'ai pas vu arriver. Il faut faire vraiment très très gaffe. On y va, on continue. C'est limité à 105, donc du coup on a de la marge. On peut y aller. J'ai fait le plein avant de partir, donc sur ça on est très bon. Il faudra certainement faire une autre coupure. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a toujours pas de fond vert parce que je me suis pas décidé sur un fond vert à prendre encore. Donc du coup, j'ai tout expliqué dans la dernière vidéo. Hop, j'ai changé de setup, donc du coup, malheureusement, j'ai pas de nouveau fond vert. Donc du coup, on va continuer avec la webcam. J'ai vu que ça vous plaisait, donc du coup c'est le principal. La webcam avec mon G29. Et c'est vrai que le G29 c'est vraiment très 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 agréable. Voilà. Alors, j'aimerais revenir sur un message privé que j'ai reçu d'un mec qui me fait ouah, tu fais comme Galax, tu prends le même volant que lui. Alors, un, j'ai pas le même volant que Galax. Lui il a un Thrustmaster TX, il me semble. Donc du coup, un, tu t'es trompé. 2, je fais pas comme Galax, tout le monde joue à American Truck Simulator, beaucoup de monde joue à American Truck Simulator, donc c'est pas propriété Galax, American Truck, donc du coup on fait un peu ce qu'on veut. Et voilà, je regardais Galax passer un moment, maintenant je regarde plus parce qu'il parle plus de jeux vidéo, du moins il parle plus dans ses jeux, vidéos American Truck, Euro Truck, de son expérience le jeu, tout ça. Il parle vraiment que des phénomènes de société, comme les vidéos sponsors, tout ça. Et ça, ça dure toutes les vidéos, voilà. J'ai rien contre Galax, mais c'est vrai qu'il parle plus trop du jeu en lui-même, et ça, ça me chagrine un petit peu. Et voilà. Et puis si j'ai envie de faire du American Truck, je ferai du American Truck, voilà. American Truck, ce n'est pas propriété Galax en France, voilà. Et pourtant... il est quand même assez reconnu dans ce domaine-là parce qu'il avait lancé des chroniques du routier et tout ça. J'aimais beaucoup ce principe, mais voilà quoi. Il fait plus la même chose qu'avant, malheureusement. Voilà. Allez, c'est bon, on continue. Et ne me dites pas que je fais comme Galax et que j'ai le même volant. Et ça, c'est faux parce qu'il n'a pas le G29 lui. À un moment donné, quand il a commencé, il avait le G27. Mais c'est tout quoi. Là, il a un Thrustmaster TX. Rien à voir mon petit gars, rien à voir, tu te reconnaîtras en tout cas dans les commentaires, voilà, dans les commentaires, du moins tu te reconnaîtras si tu regardes ma vidéo, voilà, pas besoin de venir m'en parler, un message privé, tu aurais pu le mettre en commentaire, hein. Voilà, donc bon, enfin bref, aparté, Galax, terminé, surtout qu'il y a des youtubeurs qui font largement mieux que lui. Je pense surtout à un youtubeur américain, je crois, ou anglais, je sais plus, Squirrel, je crois qu'il est anglais. Et ces trucking diary sont vraiment excellents sur American Truck Simulator. Je vous invite à aller les voir. Voilà. Bon, aujourd'hui, les amis, j'ai une question à vous poser. Et oui, ça fait longtemps les questions. Et ouais, ça fait longtemps. Attendez, je reste concentré quand même sur la route. Voilà, surtout qu'il pleut, il faut faire gaffe. On va se mettre ici. Voilà. J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Il y a un jeu d'autocar qui va sortir. Un peu dans le même style qu'American Truck, Euro Truck. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Le jeu s'appelle Fernbus. Voilà, je mettrai peut-être une vidéo en incrustation dans le montage. Fernbus, c'est American Truck avec des autocars. Voilà, des gros cars vraiment sympas. Ça a l'air d'être pas mal du tout. C'est un peu le même principe. Des longues routes, des longs trajets. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire quand le jeu sortira.
Voilà, je vous mettrai, je pense, en incrustation une vidéo de gameplay. Et en parlant de Squirrel, il en a fait des vidéos sur la bêta, donc n'hésitez pas à aller voir Squirrel et à vous abonner à sa chaîne, parce que si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment... Franchement, ce YouTuber est vraiment excellent. C'est peut-être même le meilleur YouTuber qui fait de la simulation de conduite ou d'autres avions, etc., etc. Il est génial. Voilà. Il ne s'est pas perdu dans les bas-fonds des jeux de simulation. En tout cas, il parle vraiment bien des jeux et ça, ça fait plaisir. Allez, on continue. Il nous reste 261 km déjà. Je parle et ça descend à vue d'œil. C'est vraiment génial. Yuma El Centro, on a déjà eu. Donc du coup, il va falloir prendre à droite ici. Il va falloir prendre à droite. Et c'est vrai que ça rend vraiment très très bien en échelle 400%. Je sais pas pourquoi le... Ah non, c'est pas à droite. Attendez, c'est à droite. Non, c'est pas à droite. Oh là là. Le GPS m'a induit un petit peu en erreur. Il tournait à droite, il est revenu à gauche après. Voilà, ça m'a induit un petit peu en erreur, mais... Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire si vous voulez qu'on fasse de l'autocar, tout simplement. Et l'échelle 400%, c'est vrai que ça rentre très très bien. N'hésitez pas vraiment pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de cette échelle 400%. C'est un peu comme mes premières vidéos sur American Truck Simulator. Je pense qu'avec une mise à jour, ça me l'avait baissé, mais là je l'ai remis, ça tourne vraiment super bien. Et c'est génial quoi. Mon PC il tourne un peu plus vite. Bon, avec la chaleur, ça m'étonne pas. Il fait 35 degrés déjà et on est que le matin. Alors imaginez le bousin quoi en plein après-midi. C'est de la folie. Mais à 400%, c'est vrai que le jeu est quand même plus net, plus beau et plus détaillé. Voilà. Ah, en tout cas, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir de reprendre cette série. Et j'ai vu que ça vous faisait plaisir aussi. Donc du coup, tout va bien pour moi. On va continuer de plus belle. Je comptais pas m'arrêter sur American Truck. Il y en a dit ouais, il y en a qui me disaient aussi en commentaire sur mes anciennes vidéos, ouais, t'as arrêté American Truck, Euro Truck, t'avais dit que c'était toute l'année, une fois par semaine. Il fallait quand même regarder la dernière vidéo, hein, je vous l'avais dit. Je vous avais mis une image dans les commentaires, dans le titre, comme quoi j'avais plus de volant, donc du coup ça reviendrait avec un nouveau volant. Voilà, et donc j'ai le GV9. On reprend, il faut reprendre les habitudes les amis, revenez sur American Truck, je m'arrête pas, je vous l'avais dit, je l'avais promis, et j'adore ce jeu, donc on va continuer de plus belle, il y a des sacrés orages, bonjour monsieur le flic, sacrés orages là, j'ai pas besoin de faire de coupure pour l'instant, j'ai pas besoin de faire de coupure, oula attention, reste à droite, hein. Mon petit chou, reste à droite, ne te rentre pas dans les autres voitures, il faut rester concentré, voilà. Alors la coupure, prochaine coupure dans 4 heures et il me reste 7 heures pour arriver, donc du coup je vais être obligé de faire une coupure. Dès qu'on peut s'arrêter, on la fera, comme ça c'est fait, on va pas attendre qu'il se fatigue pour la faire. Ne pas se faire avoir. Voilà, on va se mettre sur la droite. Alors, c'est des routes bizarres quand même là. Non, c'est bon, je me suis pas trompé. Vous avez vu? J'avais l'impression qu'on tournait à droite, mais en fait, non, pas du tout. Il faut suivre. On suit tranquillement. Je sens des petites vibrations au niveau des aspérités de la route, là, dans le volant. Toutes les petites aspérités sont reconnues par le GV9. Et ça fait des petites vibrations, un peu comme si vous avez des fourmis dans les bras. C'est génial, quoi. J'aurais pu aller me reposer à droite, mais bon, je vais pas dévier de ma route. On continue, il nous reste 100 km. Alors... Eh, attendez, je suis pas obligé de faire la coupure, je pense. On arrive dans 1h32. Eh, pas du tout. J'ai en restant 7h18 pour la mission. Et on arrive, on est déjà bientôt arrivé pour cette vidéo. C'est allé vite, c'est allé très très vite. Il ne pleut plus, donc du coup, on enlève les essuie-glaces. Oh là là, c'est allé vite, très vite. Trop vite, même. Je pensais pas que ça allait aussi vite aujourd'hui. Oh là là là, bah, c'est pas très grave, c'est pas très grave. De toute façon, mon but c'était de faire une vidéo entre 15 et 30 minutes, comme d'habitude, vous le savez maintenant. Pas plus de 30 minutes, sauf si je fais un gros trajet de temps en temps, plus de 1000 km. Mais là, ça va. On descend dans une ville qu'on n'a pas vue, on va la découvrir. Alors, San Simon, ok. Et nous, on va où déjà? À Sierra Vista. Allez, direction Sierra Vista. C'est sur la droite. Là, on tourne par contre. Là, on tourne. Voilà, attention au feu rouge, on freine, on freine, on freine, je suis à fond sur la pédale, à fond. Allez, c'est feu vert, on y va, on y va, on y va, on y va.
Direction Sierra Vista. Ah, Tucson à gauche. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur Tucson, il y a un circuit automobile caché que j'ai trouvé dans ma vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Tucson. C'était ma dernière vidéo avec mon volant T150. On avait trouvé le circuit automobile. J'avais cherché pendant pas mal de temps. Et on avait fini par le trouver. Voilà. N'hésitez vraiment pas à aller voir cette vidéo. Je me suis éclaté à la faire celle-ci. Comme toutes, hein, mais c'est vrai que celle-là, je m'étais vraiment éclaté à chercher ce circuit caché dans les montagnes, tout ça. C'était génial. Bah, je vous mettrai l'info bulle en haut à droite, comme ça, vous pourrez cliquer de suite pour aller voir cette vidéo. Bon, de suite. Non, hein. Finissez celle-ci d'abord, hein. Et après, vous irez voir la vidéo. Ah là là là. Allez, 22 km. On approche. Là, c'est bon. Il n'y a personne dans la nuit. C'est cool. C'est minuit 40. Voilà, je pense qu'on va avoir un excellent au niveau de la note. On est allé assez vite pour faire cette livraison. Il n'y a pas eu grand monde sur la route. C'était vraiment que des longues routes pour arriver à Sierra Vista. Nous y arrivons. Et là, on va tourner à gauche. Voilà, il n'y a personne. Sierra Vista découverte. Et on peut tourner. C'est parfait, ça. C'est parfait. Pas besoin de s'arrêter complètement. On y va. Ma remorque, c'est bon. C'est parti. Là, par contre, je suis au-dessus du médecin de vitesse. Voilà. On met le petit régulateur. Ne pas se faire avoir en ville. Ce serait bête d'avoir une prune maintenant. Il faudra que je pense quand même à faire la coupure avant la prochaine vidéo. Sinon, on va être emmerdé la semaine prochaine. Voilà. Bon, n'hésitez vraiment pas à me dire sur le rythme des vidéos si ça vous plaît, parce qu'une vidéo par semaine c'est pas mal pour moi, ça fait pas mal de montage, comme vous pouvez le voir, c'est pas mal de montage. Et si les vidéos sont assez courtes, peut-être je vous en ferai deux, mais ça risque d'être assez difficile. J'ai pas trop de temps en ce moment, j'ai pas mal de boulot. Oh non, c'est la fameuse... Ah, c'est la fameuse... Aïe, c'est le fameux stationnement. On doit se garer ici, on doit faire comme ça. Tac. On va essayer avec le G29. On l'avait fait plusieurs fois avec le T150, souvenez-vous. Allez, c'est parti, on va se le faire. On va tenter, hein, qu'il tente rien. N'a rien. Comme d'habitude. Hop là. Alors. Donc. On y va. On y va doucement. Ce qui est bien avec le GV9, c'est qu'il répond super bien pour ce volant. C'est vraiment génial. Voilà. Allez, on y va. Voilà, j'ai mon pistolet qui s'emballe là. Quelle chaleur de ouf. Heureusement, j'ai des gros ventilos dessus. Voilà, on est bien. Allez, on peut y aller. Attention. Là, on va se remettre comme ceci. Voilà. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Allez. C'est pas grave, ça. Ça, c'est pas très grave. Ça doit passer là. Est-ce que ça passe? Quitte à monter sur le trottoir un peu. Allez mon gars, ça passe. On va devoir s'y reprendre, hein, mais... Oh, pas forcément. En basculant, si, il va falloir s'y reprendre. Allez, bascule comme ça, comme ceci. Allez, on va se reprendre un peu.
Allez, on recule. Allez, 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 allez. Bascule la remorque. Bascule la remorque. On n'est pas trop mal. Oui. Oh, on a bien réussi, les amis. Ah, ce volant G29, il est super précis. C'est génial. Allez, on va se rebasculer. Ouais, c'est bon, on y est, mais on va se mettre droit. On va se mettre droit. Voilà. Là, on est ressorti, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, c'est assez permissif, je suis sur la ligne. Ça me l'a compté, mais on va se mettre vraiment droit, vous allez voir. Voilà, on va se mettre comme ceci. Bah, c'est parfait, les amis. On est arrivé à faire un bon stationnement avec le stationnement assez difficile. On s'est repris plusieurs fois, mais c'est vraiment génial. Quel bonheur ce volant G29. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On abaisse les béquilles. On va voir la note. Normalement, c'est du excellent. Excellent. 409 km, 5h52. C'est parfait. Et on se rapproche petit à petit du niveau 14. On est toujours bourreau du travail. C'est génial. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur American Truck Simulator. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.